Bonjour à tous les amis, ici Xolite, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel tout simplement pour installer ce magnifique garage. Donc comme vous pouvez le voir, il est très détaillé avec des petits éléments de décor qui sont très fonctionnels, comme voir la petite cascade là-bas, les petits effets de construction de char. Enfin, il est vraiment très très sympa, c'est comme une petite base sous terre on dirait. Donc il est vraiment plutôt bien fait. Moi je l'aime beaucoup, donc je vais vous montrer tout simplement comment l'installer. Alors, pour l'installer, bah, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus simple. Alors, il vous suffit tout simplement. Alors, attendez, je lançais juste l'enregistrement sur Myrilis. Donc, oui, si vous vous demandez pourquoi il y a le magnétophone, c'est que j'ai un problème avec Myrilis et je ne peux pas enregistrer le son de ma voix en même temps que le son système. Alors, vous allez avoir ce fichier, donc Eurohangar. Donc, vous allez l'ouvrir. Toi, tu te barres. On s'en bat les couilles. Alors, vous allez avoir tous ces dossiers. Alors, vous vous dites comment on va installer ces dossiers. Il ne faut pas les installer n'importe comment, tout simplement. Que vous allez copier, ou plutôt extraire, le dossier System, Space, Script, Particle, Guy et Content dans le fichier OS, enfin, dans le fichier, dans le dossier OS, Game, World of Tanks, ROS Mode 8.10. Et vous les mettez ici. Attention, ne pas copier le fichier audio qui est ici. Surtout pas. Vous les copiez bien là-dedans. Enfin, plutôt, vous les extrayez. Comment on pourrait dire ça? Les extrayez. Alors, ensuite, pour mettre le fichier audio, alors vous allez tout simplement vous rendre dans le dossier RES. Et vous allez copier le fichier audio ici. Vous allez le copier. Donc voilà. Et vous allez le coller dans ROS Mode 8.10 et voilà, vous le collez ici. Une fois qu'il est collé, donc là vous avez juste copié les sons de base de votre jeu dans le dossier de mode. Donc pour ajouter nos sons, donc vous allez ouvrir ce dossier, vous allez dans l'archive, vous allez dans audio et vous copiez, vous copiez ou vous extrayez ces deux dossiers. Excusez-moi, j'ai fait une connerie. Vous extrayez ces deux dossiers donc dans votre fichier audio. Donc bien sûr pas du jeu mais du fichier audio du mode que l'on vient de coller et vous aurez ainsi les sons du hangar. Donc vous avez pu voir, il n'y a pas beaucoup de sons en plus, mais bon, c'est voilà, c'est pour rajouter un petit peu d'ambiance, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment voilà vous comment vous présenter comment installer ce petit hangar qui est vraiment super sympa. Donc voilà les amis. Allez, salut à tous et on se retrouve très prochainement pour une analyse de bataille ou pour un autre tutoriel. Allez, salut à tous!